Et les amis, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du Avez-vous déjà vu ? Très heureux de vous retrouver. Je sais pas ce que t'en penses, moi je suis très content de retourner là. Hein. Je sais pas ce que t'en penses quoi, toi ? Ah bah moi j'en pense très bien, hein. C'est très bien qu'on revienne. En plus, ils ont sorti un nouveau Call of, alors on est chaud, des nouvelles maps, des nouveaux détails, ça c'est cool. Ah ouais, je te le fais pas dire, ça c'est vraiment cool. En tout cas les amis, on vous a préparé quelques petites surprises pour cette saison 2, quelques modifications, d'ailleurs ce petit cadre vidéo autour qui rend plutôt bien, qui a été fait par toi, il me semble, non ? Oui, c'est moi qui l'ai fait. 2 heures sur Photoshop à galérer à faire du collage, du gommage et tout ça. Alors, il y a intérêt de bien. Ah oui, bah on verra bien s'ils aiment ça. Hein. Ça c'est pas sûr. Hein. Comment ça, c'est pas sûr ? J'ai quand même eu plus de 2 heures à faire ce truc. Enfin bref, ne nous emballons pas. Nous avons effectué une deuxième modification aussi, les amis. À la fin de cette vidéo, vous pourrez retrouver les petites histoires de Jean-Guy. Alors Jean-Guy qui tu veux toujours pas parler ? Non mais laisse-le, il veut jamais parler. Bon, d'accord. Il fait des parodies, donc vous pourrez la retrouver à la fin de la vidéo. Il parodie une cinématique de la campagne solo de Ghost, donc vous allez pouvoir le découvrir. Il débute, donc laissez-lui le temps de s'y mettre un peu. Mais en tout cas les amis, moi ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir l'ensemble de cet épisode tout de suite, maintenant. C'est parti. Et les amis, on commence tout de suite dans le vif du sujet, puisque dans ce Call of Duty Ghost, cette année, ils nous ont réservé une nouveauté exceptionnelle, des maps avec des animations qui nous permettent d'ouvrir et de fermer des portes. Non mais attends, tu te rends compte quand même que t'es en train de t'extasier devant le fait de pouvoir ouvrir et fermer une porte? Ah oui, mais c'est une nouveauté, je suis désolé, hein. C'est une réelle nouveauté. Ah oui, et tu m'expliques, à quoi ça sert? Bah, ça augmente le réalisme, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah oui, le réalisme, tu vois le bouton là, il est relié à l'armoire électrique. Ouais, et alors? Eh ben quand j'ai pété l'armoire électrique, eh ben la porte, eh ben tu vas voir. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'ouvre et elle se ferme quand même. Ah oui, ah je pensais pas à ça. Eh oui. Puis tu pourras m'expliquer aussi pourquoi ils ont jeté du barbelé à la poubelle. T'imagines les boueurs qui vont venir ramasser la poubelle? J'avais dit que ça piquerait. Là tu te rends compte que les employés de la Syrie sont des véritables gamins, ils ont fait une cabane. Bravo les gars. Et là attention les amis, c'est du lourd, c'est du totalement lourd, on vous présente une invention révolutionnaire, le tonneau à flamme constante. Ah bah oui, t'es face au tonneau, ok, t'es en train de jouer, il flambe, ok. Tu reviens après, hein, 2 heures et 5 crash kits plus tard, le tonneau flambe encore. Ah mais c'est formidable, moi je trouve que c'est formidable. Et puis je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu montes dans ce petit hangar, eh bien il y a des toilettes juste derrière toi. Alors c'est impressionnant, hein. Ah oui, en plus ils te permettent d'ouvrir et fermer des portes. Ça se trouve, ils ont augmenté le réalisme au maximum. Et dis-moi pas qu'on peut... Non, censure cette scène. En tout cas, les toilettes sont blindées, hein. On veut pas empêcher quelqu'un de pouvoir faire ses besoins sur cette carte, hein. C'est très important. Et du coup, ils les ont fait blinder. Et tu vas voir s'ils sont blindés, moi. Je vais te les péter, tes toilettes. Je vais te les défoncer. Ah bah non. J'avais dit qu'ils étaient blindés. Prévu au bal. Prévu, c'est prévu. Puis je sais pas si t'as vu, là ils ont mis un panneau où il y a marqué « Mon chien est entraîné à tuer, ne venez pas » en gros. Non mais t'imagines, nous on met des panneaux « chien méchant », là c'est « Il te tue le mec !» Et là le four, y a rien qui vous choque. Personnellement dans ce four, y a rien qui vous choque. Bah non, c'est un four quoi, tu peux faire du pain. Et il est où le trou d'aération pour la fumée? Tu me dis où elle est la fumée? Tu fais du feu sans fumée? Oh les gars, c'est trop bien, t'as vu? Je peux pisser en même temps de faire coucou de dehors. Salut, c'est moi. Wouhou. Et puis les déchets, les amis, mais les déchets, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Peu importe où tu vas, c'est tous les mêmes. Les gars, arrêtez d'acheter tous la même chose et de jeter tout au même endroit, je veux dire. Il y a des poubelles quand même. Non mais c'est pas vrai. Et la planète alors? Eh les gars, je peux pas passer, ils ont mis du barbelé sur la barrière. Punaise, comment je vais faire? Ah mais je peux pas passer les gars. Bah t'as qu'à passer à côté. Ah bah ouais. Ah non mais tu sais que c'est pas bête ça en plus. Ah mais en fait, elle sert à rien la barrière. Pourquoi ils ont mis du barbelé? Allez salut. Et puis le spawn du papier les amis, le spawn du papier. On était habitués sur Black Ops 2 à des choses invraisemblables. Mais là c'est fort quand même. Là on a vraiment du papier qui naît d'un espace vide. C'est quand même formidable. Mais moi je relèverais juste ce moment, voilà.
regarder le papier projeté contre le mur qui se plaque et qui par la suite disparaît. Moi je trouve ça formidable. Et attends, comment on monte là? Non mais c'est pas vrai, l'échelle ils l'ont fait trop petite. Non mais c'est un bug ou quoi? Non mais c'est pas possible, mon perso il est même pas capable de sauter pour choper cette échelle. Oh ça m'énerve. Oh ça l'échelle, tu vas voir comment je vais te choper. Yo, 3-6, pim. Eh ben voilà, on est tranquille les amis, on peut monter. Puis moi je vous fais des bisous et puis je vous dis au revoir. Salut. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode numéro 1 de la saison 2 du Avez-vous déjà vu ? N'oubliez pas de mettre en commentaire le nom d'une des maps de Ghost, n'importe laquelle, on prendra celle qui revient le plus souvent. En tout cas, en cette fin de vidéo, on vous laisse avec le petit bonus de cette nouvelle saison 2, c'est-à-dire les petites histoires de Jean-Guy. Vous allez voir, c'est sympathique, ça débute, on essaiera d'améliorer ça, on vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt, et n'oubliez pas le petit pouce vert qui fait plaisir. Bye bye. Ah, elles étaient sacrément bonnes ces merguez. Ouais, mais dès que j'en mange, j'ai envie de chier. Non mais c'est pas vrai, t'es vraiment dégueulasse. Ouais. Et là mon gars, je vais te couler un bon si tu m'en diras des nouvelles. Allez viens mon coco, on va aux toilettes. Ah, mais t'es dégueulasse. Je t'ai dit qu'il fallait que j'aille aux toilettes, allez viens. Allez viens. Eh mais en fait, ça t'arrive souvent comme ça, tu manges des merguez et puis t'as l'intestin qui se dilate. Ouais, ça m'arrive très souvent, ouais, souvent à la nature. Oula, où ça part là? Ah mais t'es dégueulasse, c'est ignoble. Ouais, c'est ce que dit ma femme quand elle nettoie mes slips. Ah ouais? Ah non mais c'est vraiment ignoble quoi. Une petite montée, ça me détend le rectum tout ça. Ah mais t'es dégueulasse. Tu veux que je te dise fiston, à l'âge de 10 ans j'ai fait péter la baraque du voisin. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Non. Ah si, je te jure, quand je pars, moi je fais tout péter, tiens, tu veux que je te pète à la gueule? Oh non, non, s'il te plaît, non. Mais hé, je vais te casser la gueule, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire. Non, faut que je trouve vite des toilettes. Ouh, je crois que ça va partir là. Mon dieu. Oh mon dieu, il faut lui trouver des toilettes. Trouvez-lui des toilettes, vite, vite. Il faut faire vite. Oh fiston, j'arrive plus à me tenir. Oh mon dieu. Mesdames, messieurs, écartez-vous vite, il nous faut des toilettes. Poussez-vous, il arrive plus à se retenir là. Dépêchez-vous, allez, poussez-vous. Oh fiston, ça va mal. Oh, j'ai mal au ventre. Oh.